Thank you.
Alors, c'est très étrange de faire des concerts sans public, mais quand on y réfléchit un peu, Charpentier, pour ses deux premiers motets, le premier que vous avez entendu et celui qui va suivre, n'avait guère plus de public que sa principale mécène et la petite cour qu'il y avait autour de Marie de Lorraine, duchesse de Guise, cousine de Louis XIV. Et c'était un gros souci pour Louis XIV parce que la duchesse de Guise était beaucoup plus riche que lui. D'ailleurs, elle était si riche qu'elle avait fait la plus belle collection de France, et à sa mort, Louis XIV va tout récupérer pour mettre dans les collections royales. Toujours est-il que Charpentier n'était pas du tout le rival de Lully. Il était mieux payé que Lully. C'est bien pour ça que le bougre n'a jamais voulu aller à Versailles, et que de plus, il a fait semblant de passer le fameux concours pour rentrer maître de chapelle. Il l'a raté, comme si Charpentier pouvait rater un concours. Bref, Marie de Lorraine avait, c'était maintenant à peu près à l'emplacement de la Bibliothèque nationale de France, rue des Archives, un grand palais, trois oratoires, un tout petit où on pouvait mettre une chanteuse et un théorbe, un deuxième un peu plus grand où on pouvait mettre une dizaine de musiciens et le grand oratoire où on pouvait mettre cette grande bande, mais la musique était pour elle. Et elle était bien évidemment dévote. Elle adorait malheureusement pour elle la musique, disait-elle, et elle avait tellement de plaisir à l'office lorsqu'elle entendait la musique de Charpentier qu'après chaque office, elle allait se confesser, allait comprendre. Un motet, donc, pour la chapelle de la duchesse de Guise avec toute une armée de flûtes, un des instruments préférés de Charpentier et de Marie de Lorraine.
Thank you.
cibes vestras, et in evamini portas. Attoldite portas, cibes vestras, et in Alors certes, il était très bien payé chez Marie de Lorraine, mais ce qui ne l'empêchait pas de faire, comme on dit un petit peu, des ménages, d'avoir des commandes, d'avoir des envies aussi à la vie citadine, à la vie mondaine. Et étant l'un des meilleurs compositeurs d'Europe, évidemment, lorsque un grand du royaume ou d'Europe se mariait, on commandait à monsieur Charpentier ou à d'autres compositeurs une musique. Et là, il reçoit... la commande d'un épithalame. Alors un épithalame, qu'est-ce donc? Ce n'est pas une maladie de peau ou quelque chose de sombre et d'inquiétant, pas du tout. Un épithalame, c'est un poème écrit pour un mariage à la louange des nouveaux époux, tout simplement. Seulement, c'est ni vous ni moi qui nous marions, c'est tout simplement son Altesse Sérénissime, le prince électeur Massimilien Emmanuel, qui est aussi duc de Bavière, excusez du peu. Alors, comme il y a une personnalité de famille princière, de sang royal, de destinée, de descendance royale, on va évidemment amener dans l'orchestre ce qui donne tout de suite le ton et l'allure du dédicataire, c'est-à-dire le prince ne se déplaçait jamais sans au moins deux trompettes et une timbale. Si présente, on en a changé, hein. C'est des nouveaux. Mais à la musique de l'ordinaire s'ajoutent les musiciens du prince qui font un bruit. Alors historiquement, ils arrivent toujours à la fin des répétitions, c'est toujours encore un peu comme ça, et ils sont mieux payés que les autres. Ça, ce n'est plus du tout comme ça. C'était des personnages qui avaient dans l'orchestre et la vie musicale qui avaient énormément d'importance.
Voilà, ils avaient une certaine notoriété, mais on n'était pas trompettistes ou timbaliers pour rien, c'était des gens assez virtuoses, comme les nôtres. On vous écoute. Thank you.
Thank you.
prie. Alors, il est des pièces dans le répertoire du XVIIe, XVIIIe siècle, et même un peu plus tard, qu'on ne répète jamais, qu'on n'a jamais le temps de répéter. Ce sont les Te Deum. Tout simplement parce que si le roi décide à 10 heures qu'à sa grande messe on jouera un Te Deum, rien n'est prévu. C'est donc le maître de chapelle, en fonction du jour où le roi demande, qui fait jouer son Te Deum. À moins que l'intendant, surintendant soit là, auquel cas il enlève les partitions et il met les siennes. Bref, l'heure qui précède l'interprétation du Te Deum est un capharnaüm sans nom. Les seuls à ne pouvoir pas travailler, ce sont les musiciens qui attendent que tout le monde se batte pour décider quelle musique on va jouer. Les portes s'ouvrent, le roi rentre, on joue la partition qui est sur le pupitre. C'est donc de la musique qu'on travaille à la maison, que rarement on répète. C'est de la musique qui doit être à la première mesure, dès le premier contact, terriblement efficace. Et cette musique est tellement efficace que même l'Eurovision, dans les années 50, 60, on a même marié, je crois, la reine Elisabeth II. Léon Zitrone était aux commandes et on a entendu le Te Deum de Charpentier. Et c'est devenu un genre d'emblème de l'Eurovision. C'était du Marc-Antoine Charpentier. C'est quand même incroyable. Et donc, j'ai retrouvé dans les mélanges de Charpentier, c'est-à-dire la totalité de son opus, qui est à la Bibliothèque nationale de France. Ce sont des petits cahiers à l'italienne, écrits de sa main. Il y en a, je ne sais pas combien, bref, il y a 500 opus ou plus de Marc-Antoine Charpentier. Il a copié ce Te Deum et dans un cahier, mais 10 cahiers plus tard, il réécrit deux marches en disant que ben, ces deux marches-là, s'il y a un grand défilé avant, il faut les jouer. Mais jamais personne ne les joue parce qu'elles ne sont pas paginées avec. Eh bien, on va se faire ce petit plaisir de jouer les deux marches initialement prévues par Charpentier avant le fameux Te Deum de Léon Zitrone.
Dominum te dominum profiter.
chœur. Bienvenue. Merci. Encore. Merci tout le monde.